Le retour du groupe des garçons. 30 ans après la fin d'Hélène et les garçons, Patrick Puydeba a affolé les fans de la série AB Productions ce lundi 24 mai sur Instagram. L'interprète de Nicolas a publié une photo en direct du garage, lieu emblématique dans lequel son personnage avait l'habitude de se retrouver avec ses compères pour jouer de la musique. Back to the Future a commenté le comédien de 49 ans en légende de ce cliché où il prend fièrement la pose en compagnie de ses collègues Sébastien Roch, Christian, assis derrière sa batterie et de Philippe Vasseur, José, derrière son synthé. De quoi enchanter les internautes les plus nostalgiques qui espèrent voir le groupe se reformer dans les mystères de l'amour. Oh là là le garage, ça ne nous rajeunit pas, génial groupe de retour. Les mecs, la classe. Souvenir souvenir. Peut-on lire dans les commentaires? Jean-Luc Azoulay, le producteur de la série de TMC réserverait-il une jolie surprise aux inconditionnels des aventures de Nicolas et de sa bande? Affaire à suivre. Patrick Puydeba, sa technique pour sortir du personnage de Nicolas. Son rôle de Nicolas, Patrick Puydeba le campe depuis 1992 d'abord dans Hélène et les garçons puis dans Le Miracle de l'amour et Les Vacances de l'amour et aujourd'hui, dans Les Mystères de l'amour. Si bien que celui-ci a tendance parfois à lui coller à la peau. Ainsi il avoue avoir eu quelquefois du mal à s'en défaire, mais il a fini par trouver une surprenante technique pour sortir de son personnage, sans doute pour contrer le personnage de Nicolas, lit ses propres sur lui, « Je suis devenu un clubbeur, couche tard et lève tard dans la vie » a-t-il confié dans les colonnes de Téléstar en février dernier. Un comportement qui lui a d'ailleurs valu un petit recadrage de la part de sa partenaire de jeu Hélène Rollès, je ne le supportais pas. Je ne comprenais pas qu'il débarque sans apprendre son texte ou qu'il s'endorme pendant les prises. Il faisait perdre son temps à toute l'équipe. Mais comme si est-il un vrai gentil, on a réussi à s'entendre. Je l'ai recadré et ça s'est arrangé.